savez ce qui arrive à un randonneur quand il croise un ours? Ouais. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi un perroquet s'est fait virer d'un zoo? Ouais. Oui. Non? Non? Vous êtes sûr? Non. Eh ben, on verra, parce que vous allez devoir, en fait, continuer et répondre à ces insolites que j'ai croisées dans la presse. Quel cheesy! Oh oui! Là, les gens ont envie de, envie de savoir pourquoi, le maintenant. Watch time. Ouais. Exactement. Et bien, restez là. On jouera Qu'est-ce qu'est la suite juste après avoir joué à Qui est le patron? Alors là, on est chaud. Je vais vous mettre un peu en compétition tous. On va enfin savoir à la fin de ce jeu qui est le patron. Je vais vous donner une catégorie et vous allez devoir chacun votre tour me citer quelque chose qui correspond à la catégorie. Ok, par exemple, un animal qui commence par la lettre M. Mouton. Mouton. Mouton, voilà, exactement. Le premier qui met trop de temps à répondre, d'accord, ou qui hésite trop. Un mammouth. Ou qui donne une mauvaise réponse, ou qui donne une réponse qui a déjà été donnée. Eh bien... C'est un mort éliminé. J'explique les règles. Après, les gens vont rien comprendre. Laisse-nous jouer. Et en gros, celui qui a perdu devra réaliser un petit gage. D'accord. Et sera éliminé. Ok. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Et ce sera moi. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Allez, on joue avec la première catégorie. J'ai choisi un thème couleur parce que nous sommes dans un lieu coloré qui fait rêver. Ah, pas mal. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Citez-moi des titres de films contenant une couleur. J'accepte les dessins animés. Et si les la séries? Couleur est en anglais aussi. Et les séries, bien évidemment. Par exemple, allez, j'accepte Blanche-Neige et les Sept Nains. C'est pas une couleur, non? Tu viens de le dire. Bah, y a Blanche dedans, d'accord? C'est pas une couleur, non? Alors, vous êtes prêts? Ok. On commence par Aline et on tourne. Allez. Aline, 3, 2, 1. La ligne verte. Oh, pas mal. Bon. La ligne rouge. C'est bon. Orange mécanique. C'est bon, Donnel. Orange is the new black. C'est bon. Aline. Blue Sky. Quoi? Blue Sky. Elle invente. Ok. Non, si, pourquoi tu regardes? Ça existe. Le grand bleu. Ok. La couleur pourpre. Quoi, c'est pas un titre, ça? Ah, si. C'est si, couleur mais. Frère, ou c'est Goldberg, bon, c'est bon. Danny Glover. Fais tes classiques. Ouais, franchement, fais pour un réal. Spielberg et tout, fais tes classiques. Parce que je pense à autre chose. Pink Paradise. Eddie, Pink Paradise, c'est validé. Aline. 3. Ouais, 4, c'est mort. 3. 5. 2. Oh, c'est terminé. Oh. Tu aimes bien les Disney? Ouais. Vite fait. Oh, la question piège. C'est pas tu veux dire. Donc, ton gage, c'est de chanter ce rêve bleu avec le sport élec branché sur toi. Hmm. T'as déjà fait du sport élec? Non. Eh bah, tu vas voir, tu vas essayer. Aline, on vient de t'installer les électrodes. Déjà là, t'as peur, alors qu'on n'a rien fait du tout. Voici les paroles de J'aime ce pas. Rêve bleu au cas où, si tu les connais pas. Mais tu. Ah ouais, mais elle est longue la chanson. C'est ça. Je vais te laisser commencer. Tiens, lis la Bible, comme ça. Mais c'est hyper long comme ça. Je vais te laisser commencer. Elle a même mis l'intro. Oh. On est prêt? Là, oui, ça s'entend. Non, c'est dur. Franchement, je compatis avec toi. Non, franchement, ce que t'as fait, c'était hyper Attends, dur. Attends, Adrie. Bah, viens, prends la moitié. Si t'es solidaire. Non, mais. Prends la moitié. J'ai dit, je compatissais. Si t'es solidaire, t'échanges ta place tout de suite. Non, parce que moi, à partir du moment où j'ai eu la bonne réponse au jeu, parce que je suis le patron, j'ai encore mal. Je peux pas. Alors. Tu me tues pas, toi. Tu peux commencer à chanter, on écoute Aline et on espère que tout va bien. Arrête. Je flippe. J'ai rien fait encore. Vas-y, commence. Je vais t'offrir un monde au mille et une splendeur. Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Je vais ouvrir tes yeux. Il y a des charges où elles chantent très bien. Oh, délice et oh merveille. Ah, putain! C'est pas ça les paroles. On passe au voyage en plein ciel. C'est pas ça les paroles. Oh, pide, ce rêve bleu. Ah, c'est un nouveau monde en couleur où personne. Mais c'est Maître Gims qui chante. Ça fait mal. Attends. Si c'était un blind test, j'aurais dit Joule. Attends, on arrête. Juste, fais-moi un kiff. Elle répondait au nom de Belle, là, vas-y. Attends, tu me fais flipper. Vas-y. Elle re... Vas-y. Ah oui. Belle, oui. C'est ça. On peut applaudir Aline. Bravo, Aline. Le courage. Défi réussi du point de vue des électrodes. Bravo. Aline, on t'a enlevé les électrodes, ouais. ça va mieux, tu t'es remise. Écoute, c'est on a commencé au début avec que tu buvais un petit truc. Sans buvais un shot pimenté. C'était bien déclassé. Attends, il va falloir 2-3 jours là parce que. Non, mais j'ai perdu dignement là quand même. Il y aura un prochain jeu, plante ton voisin. Ça s'appelle coup de balle ou coup de schlasse. Alors. C'est discount. Aline, tu es éliminée, malheureusement, tu ne seras pas la patronne de cette équipe. Ça continue avec Adrie, Donnel et Eddie. Vous êtes toujours dans la course et vous allez devoir me citer des personnages de fiction qui sont verts cette fois-ci. On commence avec toi, Adrien. Ça serait con de perdre tout de suite. 3, Loulou. 2. Il est en vert. 1.
Loulou, zéro. Non, Loulou, Riri, Fifi, Loulou, Loulou, l'envers. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Je vérifie. N'importe quoi. Vas-y, repose la question. Non, c'est fini. Non, j'étais pas prêt, on refait. C'est fini. Sur les abdos, j'étais pas prêt, on refait. C'est con, t'as niqué le jeu. Il y avait les schtroumpfs, le Grinch. Il y avait Hulk, il y avait le géant vert. En plus, j'en avais un, mais j'en avais deux. J'ai dit Loulou et j'avais Tortue Ninja, mais je voulais le dire après. Il y avait ce masque, Green Lantern, Franklin la tortue, Kermit la grenouille, Yoshi, le bonhomme. Ah, c'est pas bien ce que vous faites là, franchement. Franchement, Electrode, direct. La hache, lui, c'est moi, ça. Le prochain. Adrien, tu vas devoir donc, du coup, avoir un gage. La comédienne. Le gage, tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? T'es sûr? Franchement, ils sont relous, tes gages. Non, mais t'as perdu, lamentablement. Lamentablement. Ah bah oui. Tu vas devoir, Adrien, vu que c'est un thème couleur, te teindre les cheveux en vert et poster une photo de toi sur les réseaux sociaux. Mais ensuite. Mais oui, en voilà fait. La bande de couleurs. Ouais. Oh, mais c'est pas ralo. Attends. Et tu nous tagues tous pour plus la repartager. Voilà. Je peux le faire. Et oui, je pense que ça part au shampoing. Ça part au shampoing. Et c'est pour ça que du coup tu vas poster une photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag New Color. Et tu vas même mettre un petit sondage. Ça reste à moi. Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle couleur de cheveux? Aline, vas-y. T'es sûr que tu vas faire l'autre? T'as pas un autre gage là? On t'a ramené un bavard parce que tu vas même faire la barbe. Fais gaffe au fauteuil, hein. Aline, fais gaffe au fauteuil. Je gagne toujours à ces jeux. En plus, j'aurais dû gagner. Allez, les cheveux en vert, du coup, c'est parti. Allez. C'est un beau vert ou pas? Aline, elle est chez Franck Prévost. Mais c'est pas vert. Si, c'est quelle couleur? Si, c'est vert. Non, c'est pas vert. Si, c'est quelle couleur? C'est vert rose. C'est du bon vert rose. Attention, parce que j'ai des implants. Tous mes cheveux sont pas à moi. Vrai, ça ne marche absolument pas. Non, il y a pas de vert. C'est rose. Ça bouge pas. C'est rose. C'est rose. C'est rose. Non, mais c'est vraiment vert en fait. On te ment depuis tout à l'heure. Ah oui, bah la production s'est trompée. C'est une couleur rose. Ah, c'est. Donc tu te teins les cheveux en rose actuellement. Allez, vas-y. Comment vous arrivez à vous tromper de couleur? Ah, il est bon ce jeu. Allez, n'hésite pas, Aline. Mets une bonne couche de rose. Voilà, ouais, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce jeu? On part sur du vert, c'est rose. C'est pas genre, c'est pas les couleurs proches, tu vois. Non, ça va, c'est rien. Franchement, Malik, t'as fait ça toute ta vie. Lionel, toi qui as vu sur ses cheveux, qu'est-ce qu'on en pense pour l'instant? C'est un bon rose. C'est Hulk. Voilà, mais comme ça, en arrière, ta tête. C'est voilà. Hulk amoureux, là. Voilà. Alors, non, mais fais-lui la barbe un peu, ça se voit pas sinon. Ah, y'en a plus. Il y a une bombe verte ou pas? Fais le cul aussi, viens dans le cul, la bombe. Eliott, vas-y, les gars. Fais les poils de la teub. Non, on avait dit que les cheveux. Non, mais un petit plus. C'est le petit plus de la maison. Je crois que t'as plus risqué d'être asphyxié par la lèvre. C'est ça, par là. Par contre. Ah ouais. Voilà, tu peux faire une photo et tu passes sur les réseaux sociaux. T'as pas besoin sur le côté? Bah, je veux plus. Si vous voulez aller voir les. C'est pour des magnifiques. Les amis, si vous voulez aller voir à quoi ressemble Adrien, allez sur le compte de Déclassé, on va vous mettre une photo. Tu m'atteins le crâne, Aline. Tout de suite. On valide ou pas, Donnel? On valide, ça lui va bien en plus. Et puis on va demander au spécialiste. Ça tient un teint frais. Bien sûr, j'étais rose avant, donc crois-moi que ça va bien. T'avais des mèches. À quel moment c'est un spécialiste de quoi? Des mèches. Tu vois sa coupe, tu tiens. Lui, sa spécialité, c'est les cheveux. Non, mais c'est le seul à avoir des mèches ici. C'est pas des mèches, ce sont mes vrais. Et qu'est-ce que c'est que je vois qui dépasse, Elliot? C'est des cheveux blancs. Ah, désolé. Merci. Bon, du coup, il y a un de vous deux qui va être le patron, Donnel ou Eddy. Mais bien sûr. Franchement, pardon, mais je porterai réclamation. Avec ta coupe, je parle pas. Franchement, impossible d'être seul. Tu peux pas t'énerver avec une coupe comme ça avec les gens. Ouais, moi aussi, toi, vas-y. Comme quand tu zozotes. Tu peux pas t'énerver avec quelqu'un si tu zozotes. Bon, putain, vous allez, dernière manche. Qui va être le patron entre vous deux? Oui, t'es très beau. Citez des titres de chansons françaises ou internationales qui contiennent une couleur. J'accepte aussi les noms de groupes et les chanteurs. Vous êtes prêts? Ok. Allez, Donnel, tu commences. En rouge et noir. Ok, ça marche, Jeanne Masse. Ça marche. Noir, c'est noir. Noir, c'est noir, c'est bon. Donnel. Noir désir. Eddy, noir désir. Ah oui. Noir désir, ça marche. Ça marche. Ah oui, les groupes aussi, d'accord. Ça marche. Eddy. Purple Rain. Yes. Ça marche. Deep Purple. Deep Purple. Ah, mais tu lui as donné la réponse, Eddy. Qu'est-ce que tu fous? C'est pas moi. C'est qui? C'est Adrien. C'est pas moi. Mais c'est ton copain. Je ne triche pas. Eddy, à toi. Bluebird. C'est l'opening dans Naruto. Ah, il y a trop de noms américains là. Ah bah. C'est le jeu. Donnel, 3, 2. Arrêtez. Oh, Eddy, à toi. Moi, on m'a pas aidé comme ça. Allez, Eddy. 4, 3, 2, 1, 0. C'est fini. Ha ha.
Oh, les tarbats. Amy Winehouse, Black to Black. Noir Désir, vous l'avez dit. Back to Julien Black. L'avait aidé. Back to Black. Back to Black. C'est un télé. À chaque fois, je perds. Je ne devrais pas perdre. Back to Black. Francky Vincent, Fruit de la Passion. Back to Black. Et Couleur Mentalo. Fruit de la Passion, c'est une couleur. L'Aigle Noir, Julien Doré. Il y en avait plein. Doré. Bah, il est doré, c'est une couleur. Oh putain. Il a toujours pas compris. Une autre tartine, frère. Julien Doré. Ouais. Déjà. Mais arrête, arrête. C'est sur ce qu'il y a les patrons quand tout le monde les aide. C'est ça, les vrais patrons. J'ai envie de dire, le patron du jour est Donald Jacksman. Faut arrêter. Bravo. Moi, je vais voir le gars. Personne t'applaudit. Moi, j'étais là, moi. Je viens d'oublier. Merci, mon Adri. Je viens d'oublier qu'Adri avait les cheveux roses. Adri l'applaudit comme ça maintenant. Je vais plus me montrer jusqu'à la fin. Oui. Blue Monday. Ah, c'est trop tard. Oasis. Ça continue. C'est pas une couleur tellement bien. C'est une couleur Oasis. C'est... Non, mais Blue Monday, c'est le son. Et du groupe Oasis. C'est Oasis. Blurline. Blueberry. Qu'est-ce que vous racontez? Eddie, c'est trop tard pour ramener ta culture. Ça va être à toi de réaliser le dernier gage. Allez. Le dernier gage, vu que c'est un thème couleur, tu vas devoir appeler la personne de ton choix en étant vert de rage. Facile, ce gage. Appelle l'air de rage. J'aurais aimé l'avoir. Pourquoi j'ai pas eu ce gage là, moi? Ben, bah, j'en sais rien. Arrête, hein. Arrête, Adrien. C'est fou. Moi, je regarde la gueule que j'ai. Lui, il va juste rigoler avec un pote. Tiens, il me faut mon téléphone. Tu sais quoi? Va chercher ton téléphone. Et quelqu'un que tu connais, hein. On te laisse une petite minute. Appelle au hasard. Eddie, tu appelles ta mère. Je rappelle que tu dois être vert de rage. Allô? Ouais, maman. T'es rentrée du dentiste, là, ou pas, là? Je viens de rentrer là. Non, maman, alors en gros, tu vois, quand je te dis, quand tu fais les courses, il faut toujours que tu prennes le bon lait. Parce que moi, en fait, là, le problème, c'est que tu vois, ce matin, j'avais mon rendez-vous chez le kiné. Oui. Et le truc, c'est que comme j'ai pris du lait normal, maman, tu le sais très bien, à chaque fois que je vais sur Paris, je te dis, j'ai toujours envie de faire caca tout le temps. Et je me suis chié dessus, maman, dans le tram, dans le T4. Non. Mais je te jure, je me suis chié dessus, maman. Ça me rouvre à chaque fois, je te dis, en plus avec Estelle, maman, prends-moi du lait d'amande, prends-moi du lait de soja vanille, prends-moi du lait d'acajou sans sucre, maman. Mais t'as mangé. Mais j'ai fait caca, maman, j'ai fait caca. Mais... sur moi. Eddie, en plus, je peux pas te... Eddie, je peux pas trop parler. Quoi? Ah, tu peux pas trop... Oui, bah d'accord, bah moi je me suis chétu, tu peux pas trop parler, c'est ça? Mais j'arrive pas. Ok, non, c'est bon, maman, vas-y, je rigole. Je suis en pleine émission, on tourne une vidéo. Mais oui, bravo. Désolé, maman. Bravo, maman, que dis-tu? Bravo, madame. J'espère vraiment que tu vas bien, que le dentiste, ça s'est passé. Attends, il explique. Merci, Corinne, on a quand même fait le seul sketch où la nana sort chez le dentiste, elle peut rien dire. Maman, je t'aime énormément. Non, il va passer un bon anniversaire. Pardon, la maman. Non, pardon, maman, je t'aime de ouf. T'es avec qui? Je suis avec des gens pas connus. C'est des gens. Magloire. Il y a des et puis, Camerounais. Et quand même, dis-lui de t'acheter du lait d'amande pour la prochaine fois. Même, on a acheté du lait d'amande. Je t'aime, maman. On vous embrasse, Corinne. Bisous. Mais bisous. Il y en a des gens du lait d'amande. Ouais. Mais c'est, oui, ce n'est plus le sujet, Corinne. Bien. Vous avez gagné 10 000 euros, Corinne. On les passera à Eddie pour vous. On vous aime. Bisous, maman. Et n'hésitez pas, Eddie, je pense qu'au moment où le podcast sort, ton anniversaire est passé. Alors, si les gens veulent t'envoyer des messages de bon anniversaire, qu'ils y aillent. Qu'est-ce qu'il veut comme cadeau, maman Eddie, pour son anniversaire? Rien. C'est bien, c'est un enfant qui coûte pas cher. Bah, allez, bisous, maman. Allez, on vous embrasse. Bisous. Bravo, on peut applaudir Eddie. Ouais, c'était l'idée de scénario la plus barrée du monde. Mais pourquoi pas? Putain, la pauvre, quoi. Mais ça a marché parce qu'on sent qu'elle sort du dentiste. Elle est un peu défoncée. Que demi-on a vu. C'est surtout. Alors, on sent qu'elle est pas surprise. De ouf. Non. On sent qu'il l'appelle mais plusieurs parce que fois. Le nombre de fois que je lui ai dit, il faut que je rentre et j'ai failli me chier dessus ou je fais demi-tour. Mais vous parlez de ça tous les jours? À non. Table, genre, au fait. Non? Non, hein. Non, mais trop mignonne. Mais il y en avait. Oh, trop mignonne. Ouais, franchement, elle est trop cool, ta mère. Bon, bravo, Eddy, on peut féliciter. On passe à la suite. Je crois qu'il est temps d'enchaîner. Ouais, allons-y. Aline, ta meilleure imitation? On fait le jeu là? Ouais, non, dis-moi. Non, c'est pas comme ça en guise de teasing. Je sais pas, tu me dis un nom. Bernard. Allez, non, elle est trop forte. Ah ouais. Dis-moi un nom, je suis nul en fait. Jacques Chirac. Oh, facile. Ok, bon, tu révises. Hein. Pour l'instant, j'ai lu des news insolites dans la presse. Elles sont folles, honnêtement. Et j'ai envie de voir si vous allez arriver à deviner et savoir la suite de cette info. Okay, j'étais chaud sur les imitations, il m'a cassé. C'est dans moins de 10 minutes. Une entreprise italienne a réussi à obtenir un prêt à la banque grâce à une garantie particulière.
À votre avis, laquelle? De ne jamais payer. Non. Garantie. Avec quoi elle a pu obtenir son prêt à la banque? Avec ses enfants. Ses enfants comme... Adrie. Ah, une garantie, quelque chose qu'ils ont donné. En gros, pour faire simple, l'entreprise a laissé en garantie à la banque quelque chose en particulier. Et là, la banque a tout de suite dit « Oui, c'est bon, je vous prête de l'argent. » Qu'est-ce qu'a pu dire cet entrepreneur pour un employé. La banque... Non. Le coffre-fort. Deux employés. Un petit indice, c'est en Italie. Une pizza? Non. Une mitraillette? Non. C'est mon cliché. Ouais, c'est vrai. Ouais. Un Vespa? Non, vous êtes presque. Faites des clichés. Un olivier. Il n'y a pas d'olivier en Italie. Si, y en a plein. Un tiramisu. Enfin, si, il y en a en Italie. Si, il y en a la plein. Recette, une recette célèbre. Monica non. Bellucci. Ah ouais. Non, d'autres clichés. Vous avez fait tous les clichés de l'Italie? Un triporteur? Non. Des mains qui font ça? Un Vespa. L'entreprise a laissé en garantie 125 000 meules de parmesan. Ah, ouais, ah c'est coté comme de l'or. J'y étais de presque. L'or. Comme de l'or. Monseigneur. Mais ce gars est bourré. Monseigneur. C'est coté comme de l'or. Non, ouais, 125 000 meules de parmesan. Et en 125 gros, 000. Et eux, ils se sont dit banco. Banco. Ils ont prêté combien? 7 euros. C'est là. Le prix n'a pas été dévoilé. C'est là où c'est chiant. Pour le stocker. C'est là où c'est un petit peu relou quand même. Prochaine info. La police vietnamienne a fait une saisie étonnante de... Ah oui, 125 millions de tonnes de parmesan, j'ai vu ça. Non, de 345 000 objets non conformes. À votre avis, de quel objet s'agit-il? Ouais, sextoys. Ah non, Donnel, mais on s'en rapproche. Les préservatifs. Les trucs qui partent. Stop, c'est la bonne réponse. Aline, des préservatifs. Vous n'avez pas vu cette info? Non. Elle est folle. Oui, si, il y avait deux bourrons, tu pouvais rentrer les deux côtés, donc c'était... Honnêtement, en gros, une femme a été interpellée, a expliqué que les préservatifs étaient passés dans l'eau bouillante, séchés, puis placés sur des pénis en bois afin qu'ils retrouvent leur forme initiale et réempaquetés pour être revendus. Ah, ils les ont lavés? Ils les ont lavés, ouais. Elle faisait un business, en gros, cette vietnamienne, de capotes usagées lavées. Ouais, c'était écologique, pourtant. Vous faites pas ça, ici? Non, pas personne ça. Lave ses capotes. Ah, ok, je suis le seul écolo. Ça va être dégueu de mettre la main dedans, quoi. Ah, et attends, ils ont été lavés. Ils ont été lavés. Bravo Aline, du coup, tu as trouvé la réponse. J'ai gagné quoi? Rien du tout. Les préservatifs. Au Mexique, une randonneuse a croisé un ours noir, je vous en parlais tout à l'heure. Un animal qui est réputé dangereux. Mais à votre avis, qu'a-t-elle fait? Quelle a été sa première action? Elle a fait un selfie avec. Elle a dit, oh, Omar Sy! Ouais. Après, elle est partie. Non, c'est pas elle ça. Elle a dansé un slow avec ouais. lui. Non. Parce elle l'a grimpé. Non plus, et Aline, tu as eu la bonne réponse. C'est ça ? Tu avais vu l'info ? Non. Quoi ? Elle a fait un selfie avec, je vous jure que c'est vrai. On pourrait croire que c'est une blague, mais non. Il y a la vidéo qui s'affiche en même temps, et pour ceux qui ne la voient pas, et je vais vous l'expliquer, il y a un ours qui arrive, et il se met debout, et la nana l'enlace comme ça, ah comme ouais. si elle voulait prendre une photo avec un fan, et elle fait un selfie avec l'ours. Et, ça, et c'est la fini. Nana est morte depuis ? Ouais, c'est non, ça. La nana est bien vivante, et je pense qu'elle a fait le buzz. Non, mais les Instagrammeuses, je suis sûr qu'elle était là en plus. Je suis flou, on la refait. Ouais, elle m'a dit l'ours, j'ai deux doigts. Mais comment je me mets dessus? Elle est restée très calme en mode ouais, c'est la meilleure chose à faire, prendre un selfie, quoi. Franchement, putain. Respect, hein. Assez c'est chelou. Ouf. Ouais, franchement. Dans la Drôme, un gendarme. Dans la Drôme. C'est sexy, là. Dans la Drôme, un gendarme a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour un motif particulier. À votre avis. Il était sobre. Ah, ouais, c'est bon, on t'arrête. Menotte. Allez hop. Faute professionnelle. Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est assez fou, là. Il n'y avait pas le masque. Parce qu'il a. Par rapport au foot, non, il n'a pas. Non. C'est par rapport à quoi? Au sport? C'est par rapport aux femmes. On pourrait dire hashtag balance son porc. Il a trouvé de façon trop... Ah, il fouillait que des meufs toute la journée. Non, ouais, mais presque... Il palpait. Petit indice, le mec était aux dépositions. Il n'était pas sur le terrain. Il demandait les numéros de téléphone. Presque. Ah, il rappelait les numéros. Les adresses. Non, mais il y est, Adri. Il rappelait les femmes après avoir déposé leur plainte, il les rappelait derrière en disant salut, c'est Jean-Michel de l'accueil. Et l'enquête n'avance pas, mais pas l'enquête n'avance pas. Voilà, c'est un truc comme ça quoi. L'enquête n'avance pas, mais ça dit un flunch à 20h. Un flunch. Il récupérait des numéros de femmes donc, pendant les dépositions et c'était parti quoi. Il les rappelait effectivement. Et il a réussi il à a serré chaud, ou pas ouais. Bah, il est en tôle donc. C'est lui qui va se faire pécho. C'est lui qui va se faire tirer. Il y a une merde. Vous êtes déjà vous servi de votre notoriété pour draguer? Ah ouais, moi vachement ouais. Bah, mais moi c'est le problème, c'est que je suis tellement connu que je suis le réalisateur de Boutchou. J'ai le choix. Ah, ça n'arrête pas, c'est fou. Donnel. Non, moi je suis déjà marié, j'ai une femme, bien quoi, évidemment. Menteur. Faut passer à l'autre info du coup.
Ouais. un zoo anglais a dû retirer plusieurs de ses perroquets. À votre avis, pourquoi? Bah, il parlait tout le temps. Il répétait. Il pas d'insulter. Il répétait des horreurs. Il parlait ça, oui. Et allez, je vais donner la bonne réponse à Adrien. Il dit, oui, ils arrêtaient pas d'insulter les passants. Enculé. Tu fais vachement bien. Ouais. Ouais, mais c'est en Angleterre, donc fuck you. Ah, mais je fais moins bien le perroquet qui. Ouais, et donc c'est assez fou. Ouais. My wife. Trop drôle, de ouf. D'ailleurs, pour ou contre cette décision du gouvernement de retirer les animaux du cirque et les dauphins des delfinariums? Ah, rien à voir avec l'histoire, d'accord. Ah, ouais, mais là, je pose un débat comme ça, toi. D'ailleurs, pour ou contre l'avortement? Oh non, il l'autre, c'est chiant. La taxe carbone. Hein, pour ou contre les animaux en cirque? Bah, oui, cirque pour les libérer, ouais. Pour les libérer. Pour faire quoi? Parce que c'est pour les métros après. Les remettre dans la nature. Si les tigres, ils sont, ouais, à Boulevard Sébastopol, c'est vrai. Je préfère que ce soit un cirque quand même. Bon, j'ai l'impression que ce débat ne vous passionne pas. Le mieux, c'est de passer à l'imitation game, comme on dit aux États-Unis. J'ai tellement envie de vous voir imiter des gens. Imitons les gens. Voilà. Aimons-nous bah, vivants. Ça commence. François Valéry. Herbert Léonard. Les sentiments. C'est François Valéry. On les m'a ouais, mais mal. Allez, imitation game tout de suite. Et avant d'offrir des bons Cdiscount avec qui veut gagner des gros bons, on finit l'émission comme ça à chaque fois, vous le savez. Ah, j'aime bien. Je pense que là, honnêtement, on va se taper des barres. Je vais tester vos talents d'imitateur. C'est le moment. Le but est de faire deviner le plus de personnalité à son partenaire en une minute. Francky Vincent. Il danse et tout, c'est magnifique. Ça commence bien. Le but, le but, en gros, c'est de faire deviner des personnalités à son ou sa partenaire en une minute. En les imitant vocalement, en faire deviner le plus possible, un peu comme au Time's Up, ok? Le problème, c'est que moi, j'ai qu'une seule imitation, ça c'est chiant. Et celui-là qui tombe avec moi, il est mal barré. On va voir, bah, et deux équipes vont s'affronter, composées de deux personnes, et la première équipe, malheureusement, sera Aline et Adrien. Désolé. Non, malheureusement. Parce que Aline vient de dire qu'elle était nulle en imitation. Là, ouais, Adrien, ouais. Une réaction à cette formation d'équipe? Mais je trouve vite, par contre. Si on perd, on a quoi? Rien, non, là c'est vraiment. Oh, bah, on peut passer, on peut passer les cartes, on n'y arrive pas. C'est bon, et l'autre équipe, on peut se lâcher, on s'en fout. Tu te concentres. Hein. L'autre équipe sera bien sûr Donnel et Eddy. Mais puis moi je devine. Attends, faut qu'on se regarde. Tu mimes et je devine. Vous allez tous passer, d'accord les amis, vous allez avoir une minute. Vous allez tous passer chacun votre tour et vous allez avoir une minute pour faire deviner le plus de personnalités possible. On peut imiter avec... Vous pouvez les imiter avec une phrase culte de la personne, il n'y a aucun souci. Et interdit par contre de les décrire ou de dire leur nom. Okay. C'est une évidence. Ah bon, okay. Écrit sur clavier, écrit sur clavier. Jean-Pierre Manère. Rachita. Le vieux nul. Non, on n'a pas le droit de dire le nom. Ouais, mais c'est plus facile. Je te remets les cartes, Aline, elles sont là. Tu les passeras à ton voisin. Une fois la minute finie, en sachant qu'il y a qu'à... Tu fais jouer Adrien, d'accord. Mais je suis pas obligé de mimer, je peux faire comme tu dis des de phrases. Il n'y a pas de mime. C'est des imitations. Non, je suis pas obligé, comme tu dis, on peut balancer des phrases. Ouais, tu es obligé d'imiter. Mais quand même. Ah, parce que si tu fais juste manger des pommes, c'est plus drôle. D'accord. Non, tu es obligé d'imiter. C'est vrai qu'il l'a fait mal. Ouais. Non, mais... Allez, tu es prêt, Aline, une minute. Attention. Combien de points vous allez marquer, honnêtement? Je me demande bien. Franchement, zéro. Il est bon, Adrien. Garde les trucs dans la main. 3, 2, 1. You want to fuck my wife? De Niro. Ouais. Mais gardez dans la main. Bravo. Garde le paquet dans la main. Il y a une mini imitation, on va dire. 1-0. Manger des pommes. Mais si tu tiens. Mais si. Voilà, t'as dit qu'on allait être droit. Oh, le primeur de merde. Manger des pommes. Attends. Je sais pas ce qu'il dit. Mais essaye la voix. Mais je sais pas. Ouais. Non, je sais pas. Je serais pas. Elle peut passer ou pas? On peut passer. Mais si, on peut passer une fois. Putain. Tente. La voix, ouais, Scatman. Mais, hein? Ouais, mais j'en sais. 15 secondes. Mes petites beautés, alors. C'est le nom. Voilà. C'est tout, c'était juste le nom. Tu galères plus une heure. Bah oui, mais. Darka, Rasra. Bon, là, c'est impossible, ça. C'est impossible, ça. Honnêtement, c'est fini. C'était peut-être la pire joueuse que j'ai vue au jeu des imitations. Ça, tu peux le mimer. Non, mais donne-moi tes cartes. Ça, tu peux, ça. Mais bien sûr, attends. Vas-y, le Robert dernier. De Niro, c'est parti. You fuck my wife. Ça y est, je vais le faire. Hop, 1-0. Jacques Chirac. Oh, crac, crac, mangez les pommes, c'est Chirac. Ouais. Ouais, non, allez. Ah, t'as pas ce Chirac. Ouais, non. C'est pas... plus, comment il s'appelle, Roger Hanin. Hanouna. Ici, mes petites beautés. Qui vous jouez? C'est la Darka, c'est la Rasra. Ça fait plaisir. Et Mario Bros. It's me, Mario. Tu peux pas dire Mario. It's me. Here we go. Voilà. Aline, franchement, t'es pas top. Ah, j'en ai trouvé 3. Mon pauvre Adric, 2 points dans votre équipe. 3. Allez, 3, on valide 3. Oh là là. Eddy Donnel, à votre tour. Vous êtes prêts? Qui veut commencer chez vous?
Pierre, feuille, ciseaux, celui qui gagne, il donne les cartes à l'autre. Pierre, feuille, ciseaux. Fuck. C'est, vous avez Tiens. Fait quoi? C'est la feuille qui mange le ciseau. C'est toi qui me les donne. Okay. Le ciseau coup, mange la feuille. C'est toi qui et c'est moi qui dois. Tu veux éviter, toi? Bah écoute, par ton cap. T'es chaud comment, toi? Pour éviter? De toute façon, on va tous y passer. Okay, moi, je suis plus fort pour les bruits d'animaux et tout. Quoi. Vas-y, ok. Le jeu des imitations, Donnel, tu as les cartes. C'est parti, tu as une minute. 3, 2, 1, go. Ah bah, mon carouet. Le carouet. Mais c'est pour ville, là, que tu fais. Quoi? Quoi? Bienvenue chez les ch'tis. Danny Boone. Mon carouet. Bilou. Mon carouet. Sous le vent, et si tu penses que c'est la même belle, sa dernière se voit détruire à sous le vent, et si tu crois que c'est l'idée. La même, tant pis. Juste une pause en répit. Belle, c'est un mot que je rêve. Ah, à France. Ah, j'arrive pas à trouver. J'suis tellement content là, hostie. C'est l'idiot. 10 secondes. C'est l'idiot. Mais c'est l'idiot, non. Ah, ou l'autre. Là, on va bien. Mais non, là, on va bien. Et les gars. Garou, putain. Mais attendez, c'est excusez-moi. Le meilleur jeu du monde, vous êtes en train de foutre en l'air. Mais t'es nul. Mais putain. Et on a trouvé plus d'une caline. Je suis éclaté. Vous avez fait une. Eh, on va peut-être gagner. On va gagner. Oh, je suis déglingué. On a fait une. Allez, je suis chaud. Pourquoi t'as fait ça? Il a une bosse. Je suis choqué. Alors, excuse-moi. Bon, moi, je suis content. Tu dis Hélène Segarra, c'est l'émission. Non, le de Danny Boone, je l'ai foiré. C'est vrai, j'ai mis du temps. Excusez-moi, on revient sur le Danny Boone. Il est passé par. Il est passé par son spectacle, Kawai. Bon, Kawai. Mon Kawai. Alors, t'as vu à nous, à nous, à nous. Allez, Bilout, tu vas faire Bilout. Bah, ouais, hein, Bilout, ouais. C'était pauvre. On va peut-être gagner. 1 contre 3. Mais moi j'imite les gens, mais sur un mot très court. Eh bah, ben, tu vas. Par exemple, je vais faire Francis Cabrel, mais je connais que un mot. Je peux pas faire. Vas-y, quoi? Jardin. Thelma. Et c'est comme moi, je sais faire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais faire Elvis. Ouais. On l'est. Ouais, je l'ai. Bah allez, bref, à toi de jouer. 3-1, vous êtes en tête pour l'instant, vous pouvez pas Garou. Centre, si, mais... Déjà, quoi qu'il arrive, tu dis Garou et après on verra. Okay. Allez. Non, il a mis en dessous. Adrien, Aline, on se concentre. Vous pouvez prendre le large, comme dirait Garou, du coup. 3, 2, bah, 1, c'est Tipa. Alors je suis, oui, indice chez vous. Julien Lepers. Oui, ils ont des trucs. Je suis tellement content d'être là, franchement. Céline Dion. Mais il est fort, Adrien, lui. Oh oui, oh bah alors ça c'est une bonne blague de Donald Jackson. Oh bah oh. Ah ouais. Oh non. Ah il le fait super bien. On a tout essayé. On a. Oui. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là. Mais t'es où? Pas là. Oui, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Oh putain. Salut, c'est bien. Moi. Ouais. Oui. Je suis un chanteur, j'ai qu'un prénom. Tu prends les bonnes notes. Tourne autour de ma tête. Et tourne dans ma tête. Oui, mais putain. Mais on peut pas passer, la c'est rond. Il a quand même fait Bercy, hein. Ouais, je sais. Il a chanté avec Gims. Je sais, je suis nul là. Non, mais voilà. Vous deux là, franchement. Oh, attends, trois quand même là. Vous deux, même équipe. Ouais, Vianney. Quel coup dur, c'était Vianney, ouais, mais quand même 6 points. Qui bloque Vianney, quoi. Vous avez un peu bien fait quand même. Ouais, franchement. 6 à 1. Les amis, va-t-il y avoir une remontada grâce à. Et dis, que dis. Personnellement, j'y crois pas. Il y croit pas. Moi, personnellement. Ah, il peut. Il peut. Et t'es un bon imitateur, Eddie. Ouais, mais pour les animaux et tout, tu vois. Ah, mais là, c'est des personnalités. Ouais, là, bah tu vois, on va même pas perdre. Franchement, combien de points là-bas, il y a? On a 6 en tout. 6 et nous 1. Okay. Et interdiction de passer, hein. 3. Ouais, ça par contre. Ça, c'est relou encore, Elliot. C'est parti. Noir, c'est noir. J'ai une idée. Yes. Vite, en serre. 6-2. Si, je sais qui c'est, il a joué dans le film. Non, tu dois l'imiter. Imite-le. Fais voir, Eddie, fais voir. Oh, je sais pas, on va l'imiter, c'est. Oui, facile. Ah oui. Ah ouais. C'est un chinois? Non. C'est français, mais c'est Leb. T'as pas mis le temps? Mais j'ai des paroles, il dit quoi? C'est quoi sa phrase culte? J'arrive pas à dire ce qu'il facile. Dit! Ah mais oui! Oh, c'est trop facile! Ah mais grave! Ouais, ouais. Mais oui! Il le fait balance, bien. Allez! Non, il le fait bien, mais dis n'importe quoi! Franchement! Ouais, il le fait super bien! Mais t'es nul ou quoi? Mais c'est quoi votre délire? Il a juste fait super bien! Mais oui, je le vois direct! Mais regarde, là, on le voit! Il reste du temps là, mais rien dire! Acteur studio là! On le voit! Regarde!
Oh là là, non mais j'ai cru qu'il... Mais alors, stop. C'est qui? C'est qui? Patrick Bruel. Comment tu expliques? Mais vous êtes là. Mais vous êtes là. Mais je ne peux pas parler d'ici. C'est là. Mais j'ai oublié tous ces classiques. T'as pas une chanson de Bruel? Non. Mais c'est pas possible. Mais tu fais n'importe quoi. Tu fais oui, bonjour tout le monde. Moi j'adore le poker. Putain, mais oui. Mais j'ai tout oublié. J'adore le poker. J'adore la musique. J'ai une carte flash. Je me suis fait masser il y a pas longtemps. J'ai raclé là. 6 de quoi? Le frère. On peut pas refaire un round là? Les amis! Non, mais frère, tu peux faire 10 rounds. Non, mais il faut un autre round, les deux. Les amis, Victoire d'Adrien et Ali! Les amis, sortie de piste. Je viens d'inventer un jeu et vous êtes tous d'accord pour le faire. Calmez-vous, ne jette pas de coussin, ne pas de bataille de polochon. Vous connaissez tous Bande Organisée? Ouais. Et ça Zumba fait café. Zumba, café au carnaval. Ok. Et il y a la Corée qui va avec. Ok. Zumba. Y a, non, ça fait. Et ça fait Zumba. Et il faut danser la Zumba. Et ça fait Zumba, café au. D'accord. Moi, je suis un pro Paris. Jamais je danse ça. Attends, non, ah, mais c'est attends. Non, mais déjà, tu fais mal. On va donc faire un jeu. C'est là où ils disent c'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Ouais, ouais. Jamais je danse ça. Non, mais je suis d'accord avec oui, ça. Moi, c'est Jules. C'est Jean Jules et de SCH. Je suis pro parisien. Mais juste, on va faire un jeu. Je vais vous donner des définitions de style de danse, ok? Et vous allez devoir, en répondant, vous lever et décrire. Quand le gars, il est bourré, le gars. C'est comme le mec sur scène qui sort une vanne, il fait. Là, c'est l'histoire d'un. Attends, ça nique tout. Vous allez devoir. Et t'as le public, ça, vas-y. Vous levez et faire la choré en répondant à la question, d'accord? Par exemple, oui. C'est une danse brésilienne. J'ai jamais vu quelqu'un aussi fier. C'est pour une merde. Tu te lèves et tu fais et ça fait. Mais rassure-moi, c'est l'idée que tu viens d'avoir à l'instant. Ouais, c'est que de l'invention. Tu te lèves et tu fais et ça fait samba café et tu danses la samba. Mais j'adore parce que j'ai envie de le faire s'il est tellement en fond dedans. Allez, on essaie. J'ai rien compris moi. J'ai pas compris. Mais cherche pas, il rigole comme lui. Et si, je vous donne la définition d'un style de danse et vous vous levez et vous faites la choré de la danse. C'est tellement de la définition. En répondant, d'accord. Alors, on fait l'ambada, on fait l'ambada. Alors, c'est ouais, on peut voilà, commencer exactement. Par Donnel. Ouais, on peut commencer par Donnel. Non, non, c'est le premier qui là se lève et fait la choré. Et ça fait, tu vois là, c'était et ça fait samba KO. Mais tout doit commencer par et ça fait Zumba KO. Je sais pas. Eminem et ça fait Zumba. C'est ça. C'est le jeu de l'yacht. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Tout commence par. C'est la morse pour n'importe quel style. Bah, et ça après, fait rap. On peut pas refaire voilà, les éléphants. Et ça fait rap, café. Et tu dois faire une choré quoi avec. Voilà. Tu dois faire une choré. C'est pas un style de musique. Pourquoi tu prends un accent créole comme tu me parles? Alors attends, j'ai fait une chorégraphie parce que. Donner une chance au jeu. Alors. Oh putain, il est bourré. C'est obligé, il est bourré. Le mec, il est bourré. Laurent. Mais attends. C'est un genre musical apparu dans les années 50 qui s'est développé. Elvis, twist. En ah bah fait. Le rock. Le rock. Le, vas-y, bah ouais. Et ça fait rock, cax. Et ça fait le rock, café. Ouais, il a compris la règle, il a dansé mais faut faire avec rock, café. Faut danser le rock en faisant ça fait rock, café. Oh. Et ça fait café. Rock, café. Voilà. One for the money, two for the show. Allez, c'est rock, café. Oh. Allez. C'est souvent une danse qu'on danse au mariage, d'accord. Ça a été un des tubes de l'été chanté par Los Del Rios. La Macarena. Mais fais, faut te lever. Et ça Zumba fait la café Macarena. Zumba café. Ça bah, fait... C'est nul. Pourquoi tu parles de chanson? Et ça fait Macarena. Et ça fait Macarena. Et Zumba. Et Zumba. Bon, on comprend rien. Heureusement crois... que c'est pas filmé. Hein. Je crois que ce jeu va finir au cimetière des jeux. Ah bah et... tout de suite. Oh non, c'est génial. Ouais. Il est mort-né. C'est déjà fou qu'on ait fait deux tours. Bon ben merci à tous d'avoir suivi dans ce délire. Bah, oh non, en fait, t'étais tellement sincère. Non mais c'est j'ai plus dernière. De style continue, de danse. Oh, il veut jouer aussi. Ouais, vous voulez jouer. Allez. Du breakdance. Non. Le hip-hop. Mais ouais, mais c'est de la danse. Ah ouais, ok. Non non. Ok, bon, on va faire. C'est des peintures. C'est de la basse. Ouais, t'as plusieurs styles. Hein. C'est un style, ouais, un peu de la street, ok. Qui se carrément danse de la street. Non, ouais, de la street. De la street. Souvent, on voit au milieu des Champs-Élysées des gens qui font des petits concerts comme ça de danse de ce style-là. Ouais, Eddie. Et ça fait du break dance. Non, faut que tu fasses du break dance. Ouais. Moi, c'est quoi, je peux en faire ça fait du break dance café O et tu fais du break. Et ça fait du break dance wow. Café. Wow. Il est bon. Je me suis éclaté. Je peux pas rester là-dessus.
Cdiscount. Déclassé. Les amis, c'est bientôt la fin de l'émission. Et j'ai inventé un nouveau jeu. Ça s'appelle Qui oncle qui. Alors, vous allez voir. Dédi, tu commences. On va jouer avec donc à qui veut gagner les gros bons. C'est parti. Chaque semaine, vous le savez, une des personnes qui nous regarde ou nous écoute s'inscrit sur nos réseaux et peut gagner jusqu'à 300 euros. Et aujourd'hui, il n'est pas bien, Elliot, faut l'aider là. On joue, allez, on joue avec et on joue pour Stéphanie. J'adore Stéphanie. Elle est à Homécourt, c'est dans le 54. La ville n'existe pas, encore une fois. Pardon de préciser des détails relous, mais cette ville n'existe pas. C'est Homécourt en Meurthe-et-Moselle. D'accord. Ce département n'existe pas non plus. Elle va pouvoir gagner 300 euros. Faut qu'on reprenne un peu notre sérieux là. C'est important pour elle, si vous répondez bien à toutes les questions. Il y a 3 paliers, vous le savez. Ah ouais. Il y a un palier, vous le savez. 5 questions. Excusez-moi. On va faire une marelle. Alors, moi, je pense que... Kems contre Kems. On l'arrête là. Voici les paliers du jour. 5 questions jusqu'à 300 euros. Okay. Donc 5 paliers. Non, je demande. 5 paliers, oui. Ça, hein. 20 euros, 60 euros, 100 euros, 150 euros et 300 euros. Wow. Si parfait. Vous répondez mal à une question, attention. Gage. Non, vous perdez et vous retombez au palier d'avant, d'accord ? Okay. Ah, merde. D'accord. Et cette semaine, comme joker, parce que vous avez le droit à chaque semaine à un joker, nous avons pris les choses au pied de la lettre et vous aurez une vraie bouteille de joker, de jus d'orange, qui aura la particularité d'avoir la réponse inscrite à l'intérieur. Et pour voir la réponse, il faudra boire Q-sec. Ah, j'adore. Bah, c'est un joker. C'est drôle. Tout simplement. Et aujourd'hui, c'est une spéciale animaux. On en parlait tout à l'heure dans le débat. Eddie, il est fort. Vous avez jamais. Heureusement qu'on est dans l'émission avec Eddie. Eddie, il est malade. Les animaux, Eddie. Eddie, oui, t'as un talent, tu sais faire des cris d'animaux parfaitement, c'est ça ? Ouais. Vas-y, un essai. C'est une mouette ? Non, c'est le Elliot. Je reconnais tout de suite ça. Un autre ? Ouais, on n'a plus le droit de faire ça en télé. Ouais, ouais, franchement. Oh, ça va. T'es à côté de Donner. C'est raciste. Franchement, la Lycra, non. Sarkozy. Honnêtement, je sais pas comment t'as pas quitté le plateau. Pour 20 euros. Fais le buzz, quitte. Tu fais le plateau, frère. Il a déjà fait le buzz, Elliot. Les amis, tu gosses tout seul. On se concentre pour Stéphanie, les amis, pour 20 euros. Première question. Quel animal noir et blanc est l'emblème de l'ONG ? Elliot, le panda. Elliot, là, quand même... Ouais, c'est bon. Allez, arrêtez vos racismes. Quel animal noir et... Non, pas celle-là. Alors... La panthère. Non. Le panda. Quel animal noir et blanc est l'emblème le panda. De l'ONG ? WWF, le oui. Le panda. A, le ZEP, B, Michael Jackson, c'est le raton laveur. D, le panda. Le panda. Bonne réponse. Ouais, c'est validé. 20 euros, Jean-Stéphanie. Parfait. Bravo. Pour 60 euros, deuxième question. Dans quelle région du monde peut-on trouver des cougars ? Paris, hein, dans le 8e. Ouais. Rue Saint-Denis aussi. A, dans les Alpes italiennes. B, dans les montagnes d'Amérique du Nord. C, au Memphis des Grands Boulevards. Ça correspond un peu à ce que tu as dit. Ou D, dans le désert d'Australie. Où peut-on trouver des cougars, d'après vous ? Dans quelle région cougar. Du monde ? Au Memphis, moi je dis. Ça marche ? Ça marche, ouais. Moi j'irais D. Mais on parle du cougar, l'animal. Bah le joker, non ? Déjà le joker, 60 euros. Bah alors... Attendez, on va se concentrer, on va faire par élimination juste avant. Alors redis les solutions. Je te redis ça juste avant, tu peux m'imiter le cougar vu que t'es ah, pro. Ah je sais pas, je suis pas pro. Ah bon, vas-y. J'imite bien certains. Donc dès le Memphis on enlève, ça c'est mort. Alors ouais. Écoutez, ça va être simple je pense. Dans quelle région du monde peut-on trouver des cougars ? Est-ce que c'est dans les Alpes italiennes ? Non, ça c'est mort. Alpes et Memphis c'est mort. Donc la A vous éliminez. Ouais. Est-ce que c'est B dans les montagnes d'Amérique du Nord ? Ah c'est possible, ouais. Ouais. C'est là. Ouais. Est-ce que c'est C au Memphis des Grands Boulevards ? Non. Est-ce que c'est D dans le désert d'Australie ? La cougar, oh non. Non, c'est la 2. Il faut des. Non, c'est la 2. Non, la 2. Vous êtes sûr, on valide ? Ouais. Ouais, la B. Ouais. La franchement, B. Non, vous avez bossé par élimination, vous êtes. La B, Jean-Pierre. Bah ouais, parce ouais. Qu'on est comme ça. Eh bah, c'est bon, c'est validé. Eh bah ouais ! Ah. On a combien là, 60 ? 60 euros, ouais, c'est si bien. On a la bonne réponse. Dans quelle région du monde peut-on trouver des cougars ? Ah, t'as cru que c'était la bonne réponse ? J'en ai trouvé, oui, au Memphis, des grands boulevards, mais bon. Parler de l'animal. Et c'est bien dans les montagnes d'Amérique du Nord. Bien sûr. Cougar, également appelé lion de montagne ou puma, est un fétidé solitaire qui vit en Amérique du Nord ou du Sud. Tout simplement. Franchement, non, c'était simple. Honnêtement, fallait juste se concentrer. Pour 100 euros, pourquoi les flamants roses sont-ils roses ? Ah, je le sais, ça. A, pour mieux se camoufler au coucher du soleil. B, parce qu'ils boivent trop de rosé. C, parce qu'ils sont fans de la chanteuse Pink. Ou D, parce qu'il mange des crevettes. D. C'est le la D. D.
Pourquoi vous dites tous des? Parce que c'est ça. Sérieux? Parce qu'on le sait tous. Ouais, ils mangent en abondance des crevettes et ça a joué sur la pigmentation. Ouais. Expliquez-moi, parce qu'à un moment. Mais le gars. Riréculture! Riréculture! Tu sens le mec qui a des veto, quoi. Le vétérinaire. Oui, chassé tout le temps. J'ai chassé le flamand rose pendant 5 ans. Avec du rosé, du coup. Je les suis alors. Ouais, des. Ouais, on valide. Allez, c'est parti. Vous avez répondu du tac au tac quand même, hein. Vous avez pris des risques. C'était un peu vite, je trouve, même. Ah, des gros risques qu'on a pris, hein. Là, vraiment. Oh là là. Pourquoi les flamants roses sont-ils roses? Là, c'est parce qu'ils mangent des crevettes. Eh ouais, bonne réponse. C'est fou, ça. Mais Donnel a dit la bonne réponse, quoi. Gris à la naissance, en fait, le plumage du flamand devient entièrement rose vers l'âge de 3 ans. Et en gros, c'est grâce et à cause du régime alimentaire des flamants roses. Mais ce qui est intéressant dans ce sujet, oui, c'est qu'il y a deux écoles. Les amis, 100 euros. Ah, c'est de bien. Gagner pour Stéphanie. Bah, bravo, c'est super. Stéphanie, elle va kiffer. On s'est concentré. Un beau cadeau pour toi, alors. Mais elle peut gagner peut-être 150 euros. Ce sera top. Pour ça, il faut répondre à la quatrième question. Parce qu'il y a 5 paliers. Il y a 5 paliers. Ouais. Donc 5 questions. Effectivement. Pourquoi les mouches se frottent-elles souvent les pattes? Ah, c'est vrai. Tu fais les mouches, vite fait, Eddie. C'est pas un moustique, ça? Il t'a chippé. Pas bon l'accent. Pourquoi les mouches se frottent-elles souvent les pattes? A. Elles se lavent les mains. Geste barrière oblige. B. Elles préparent un plan machiavélique. Oui. C. Elles effritent du shit. D. Elles communiquent avec les autres mouches. Ah, c'est dur, hein. Là, c'est vraiment dur. Hein. C'est tellement drôle, le shit. Pourquoi les mouches se frottent-elles souvent les pattes? Les amis, vos réflexions un petit peu. C'est quand même pour Drake. Pour Drake, pour... Pas mal. Joker, non, pas la référence. Il a pas, j'ai pas la ref. Calming, ah, parce qu'il danse en se frottant les mains. Ah, ah ouais. Je savais pas. D'après toi, à ton époque, c'était Aznavour. Ah, ouais. C'était Parkinson. C'est la communication, à mon avis, ouais. Pourquoi les mouches frottent-elles souvent les pattes? Est-ce que pour vous, je vous répète les réponses et concentrez-vous. Est-ce que A, elles se lavent les mains en se frottant les pattes? Est-ce que B, elles préparent un plan machiavélique? Est-ce que C, elles effritent du shit? D, elles communiquent avec les autres mouches? Ça énorme, ça se trouve, elles peuvent peut-être se laver les mains en mode parce qu'elles touchent beaucoup de merde, tu vois. Donc en mode, je vais bien manger. Tu vois ce que moi, je suivrai le spécialiste du caca et. Écoutez-moi. Ouais, je pense. Moi, je dirais communique. Moi, je dirais communique. Les amis, vous avez pas l'air d'accord? Est-ce que c'est peut-être pas le moment de prendre un joker? Non, parce qu'on va le garder pour la cinquième question, le cinquième palier. Alors, faut marcher par élimination du coup. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de shit, non, parce que le shit, c'est à mon livret, c'était de la merde. C'est pas... A ou D. Elle prépare un plan machiavélique, non. C'est non, effectivement. La logique voudrait être D, mais peut-être... Oui, mais à mon avis, on peut partir là. Pourquoi elle se laverait les mains? C'est... Bah, parce qu'elle touche beaucoup de merde et puis elles sont... Non, mais c'est pas... Non, mais elle a dit geste barrière. Oui, mais... Non, mais si on enlève le geste barrière, ouais, elles sont pas propres en soi. Les mouches, c'est... Bah... Mais jamais un on dit. Hein. Un peu, chacun mange les... C'est quand même une profession qui met les mains comme si je voulais dire dans la merde. Non, mais peut-être un peu comme les chats qui ils s'autolavent. Je crois que les mouches elles sont chez les mains. Non, moi j'ai des communiques. Mais elles font toujours ça avant de manger. C'est ce que j'ai remarqué dès qu'elles se posent. Dis-moi, tu les observes, toi. Tu les observes. Bah oui, moi je les regarde avant de les tuer. Oh là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça c'est de la maison. Ça c'est marrant parce que Fourniret il a dit la même chose. Oh non. Je rappelle que c'est pour 150 euros pour notre Stéphanie. Elle communique. Mais oui, elle communique. Elle communique, c'est le seul moyen de communiquer. Non, moi je pense qu'elle imite la mouche. Les amis, je rappelle que si vous perdez, Stéphanie. Bon, allez, on va faire un joker. Gagnera que 100 euros. Oui, mais elle joker, et pour la cinquième, elle va nous sortir une dinguerie. Non, mais on va faire un joker. De toute façon, on va pas se tromper. Allez, on prend un joker. Au moins, elle monte à 500. Elle monte à ce palier-là. Non, moi je pense que c'est communique. Mais allez, vas-y. Bon, regarde, si on prend le joker là, on est sûr qu'après la prochaine. Là, au moins, on est sûr qu'on sécurise ce palier-là, tu vois. Ouais, vaut mieux sécuriser. Parce que ça a l'air loufoque, mais ça a l'air. Les garçons, allez boire. Vous validez le joker? Ouais. C'est parti, qu'on me ramène donc la bouteille de joker aujourd'hui. Il va falloir. Vas-y, oui, lance si tu veux. Et. Merci. Ah oui, mais. Bah, les garçons, à vos tours. On n'est pas du tout en train de rattraper. Et dis, je vous laisse boire. Attraper la bouteille, qui veut boire? Qui a soif de soif? Moi, j'aimerais bien boire du jus d'orange depuis ce matin, j'en ai pas bu. Ah bah, très bien. Eddie, c'est bon. Eddie, tu te dévoues, il faut boire. La bouteille Q-sec, la réponse est à l'intérieur. On peut être plusieurs à boire. Vénère, hein. La réponse est à l'intérieur. Ah non, il n'y a qu'une personne. T'as un litre 5. Ah, il n'y a qu'une personne. Ah, on peut pas l'aider. Tu peux la voir avant de tout mais boire. Mais non, on peut pas l'aider, c'est Covid. Et on peut pas boire l'un après l'autre, il n'y a qu'une bouteille. Oh, c'est chaud. Eddie commence à boire igloo. Troisième réponse. Igloo. Tu peux t'arrêter et boire plusieurs fois, hein, tant que ça dure pas 1000 ans. Je sais pas, il y a un décret. Dès qu'on voit la réponse, Eddie, tu nous dis. Eddie. Tu vois rien?
Il y a un chrono, on me dit. Non, tu as 30 secondes. Non, mais ça va. Mais comme dans le vrai jeu, comme dans le vrai litre du truc. Et tu peux te mettre à rentrer 3 violeurs en série. Pendant que tu bois. Ah ben c'est abusé là. Il y a un chrono. La bonne réponse est inscrite à l'intérieur. Bah il y a rien, on dirait. Est-ce que tu peux le voir peut-être, Eddy? Il y a écrit 3. 3, bah c'est... voilà. Oh. Tu le voyais sans boire. Oh les gars, c'était... Attends, c'est quoi ça? Non, 3, c'est la question. Ah, c'est bon, elle est là. Alors, elle se lave les pattes. Elle se lave les pattes. Est-ce que vous validez cette réponse? Bah oui, du coup. Bah, elle non, se lave les pattes. Ah bon, on a bien fait de... Ah, ouais. Bravo, tu as bu ta bouteille de Joker, ça va, Eddy? J'en veux plus jamais, là. Ouais, je pense que t'es bravo, Eddy. Plein de vitalité. Et là, il va aller chier toute la nuit. Eh bah, du coup... là, Eddy, Alors, orangé, là. Vu que ce Joker donne la bonne réponse, les amis... Il y en a un qui va passer un bon ami. Heureusement, ouais. Vous avez pas validé. Elle communique avec les autres mouches. Dit. Ouais. Vous validez donc la bouteille de Joker. Bah, je vous l'ai dit, donne la bonne réponse. Et oui, c'est la bonne réponse. Les mouches se frottent souvent les pattes car elles se lavent les mains. Yes. Je pense que Stéphanie peut te remercier, Eddy. Ça va? Ouais, clairement, ouais. Il est pas bien. Laissons Eddy tranquille un moment. Il va reprendre ses esprits. Et pose Eddy... ta cinquième question, vous allez voir, comme c'est un bâtard, on n'a plus de joker, ça va être très bien. On va voir. Cinquième question pour 300 euros, voilà. Les amis. Allez, Stéphanie. De Monaco. Pour ma petite Steph. Quel est l'animal le plus rapide du monde? Tout le monde sait ça, normalement. Guépard? Ouais, ce que j'allais dire. Partir sur du guépard, ouais. Ouais, moi j'allais dire ça aussi. Ouais. Ah, l'antilope. B. Le guépard. Ouais. Le guépard, il mange l'antilope. C. Le faucon pèlerin. Ah. Oh, faucon. Ou D. Le Usain Bolt. La Usain C. Bolt, c'est sûr. Putain, j'en peux plus, là. La C. Un petit jus d'orange. Moi, je dirais B ou C. Et les amis, Eddy, qui vous a bien aiguillé depuis le début, dit la C. Pourquoi tu dirais le faucon pèlerin? Parce qu'il connaît... Il faut en animaux. Eddy, il a une passion pour les animaux. Il doit avoir des délires chelous. Ouais. Ah, oh, ça va. Je sais pas quelle catégorie tu tapes sur des sites chelous. Alors, une question, si on se trompe là, elle est zéro ou elle prend le palier? Si on se trompe là, les amis, elle gagne 200 euros. Ah oui, bah ça va, on peut se lancer. Moi, je dis, suivons Eddy. Les faucons, c'est vraiment balèze. Hein. Un guépard. Moi, j'irais le guépard. En plus, tu sais pourquoi c'est faucon? Léger, je sais très bien. Je sais parce que les faucons, ils ont une vitesse de pointe en descente et c'est à ce moment-là que j'avais parlé ça avec des amis il y a pas longtemps. C'est là, ils calculent. Ouais, c'est on sent ça. La vitamine C qui fait effet là. Ah ouais. On a calculé la vitesse de pointe et c'est au-dessus de tout. Et calme-toi. Ouais. Oh, on est tous là. Encore une belle journée, la vie du petit déjeuner. Je répète la question. Il n'y a pas tort. En descente. Vitesse de pointe. Quel est l'animal le plus rapide du monde? Et suivre mon et ami. Vous hésitiez avec le guépard hein, quand même. Je pense qu'en démarrage, le guépard il bouffe. Mais je pense que sur de la vitesse. Parce qu'il y a la gravité qui joue sur le faucon aussi. Hein. Sur de la vitesse pure. C'est restitution. Le guépard, les gars, c'est vraiment ce niveau. Il va falloir prendre. Et l'autre, c'est quand même. Et puis après, il ralentit quoi. Je pense qu'il démarre fort, mais une fois qu'il a une vitesse de pointe, le guépard il va vite aussi. Le guépard il a 80. C'était quoi? Le guépard. Je me le refais parce que. Ouais, vraiment avec la voix. L'animal le plus rapide. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est le faucon. Ah ouais, si tu fais le documentaire animalier, c'est le faucon. J'ai mal oublié. Est-ce que vous validez le faucon pèlerin? Oui. C'est notre dernier mot, Eliott. Ah, il s'est tué pour nous, Eliott. Eh bien, nous validons. On peut pas ne pas suivre Eddy sur ces coups-là. Ah, je suis un peu stressé. J'ai fait une blessure, là. Quel est l'animal le plus rapide du monde? Ce n'est pas, contre toute attente, le Usain Bolt, qui lui va à 44 km/h quand même, vous vous rendez compte? Pas mal. Moi, je crois que rien qu'en courant, je dois aller à 5 km/h. Ouais, 3. Tu t'abuses. Oh, recule, toi, Eliott. Ce n'est pas l'antilope non plus. Non, sinon, tu ne serais pas bouffé. On hésitait entre le guépard et le faucon pèlerin. Même moi, vous m'avez fait hésiter alors que j'ai la réponse devant moi. Donne-nous les deux vitesses avant de dire les noms. Ouais. Les deux vitesses. Il y en a un. Ouais. Qui va au maximum à 180 km/h. Wow, okay, d'accord. Et il y en a un autre 80. Qui peut atteindre jusqu'à 389 km/h. Et c'est le faucon. J'en avais discuté avec 300. Heureusement. Donc il n'y a même pas de match. Heureusement que t'as des amis. Vous avez hésité, il n'y a même pas de match. Tu regardes le documentaire. Mais t'imagines 300 km/h. Mais est-ce qu'Eddy a eu la bonne mentalité? Est-ce qu'il a eu la bonne déduction? Franchement, sinon on le savate. Un guépard. Non, mais c'est tout ça. Eliott, ça s'appelle la poussée d'Archimède. C'est un bon en descente, la pesanteur. C'est ça, la pesanteur. La gravité, les la pesanteur. Merci, Jamy. Allez, est-ce que Stéphanie a gagné 300 euros? Ouais. Quel est l'animal le plus rapide du monde? Est-ce le guépard ou le faucon pèlerin? C'est le faucon.
Eh bien, c'est le faucon pèlerin. Ah, 300 euros pour Stéphanie, bravo. C'est exactement ça. Le faucon, en fait, c'est là où est le piège. Ouais. Vole en général à 180 km/h comme le guépard, mais dès qu'il va plonger, il va atteindre une vitesse de 389 km/h. Et voilà. Il tombe sur what ? Ah ouais, tu... Pour vous donner un ordre d'idée, un avion de ligne d'école à 300 km/h. Exactement, c'était pour ça. Donc il peut faire la course et gagner. Je vais en parler d'avion et tout. Et... Faudrait... Okay. Je sais pas quelle vie tu vas, Eddie, honnêtement. Ouais. Mais, oh, regarde, il est bien, Eddie. Mais écoutez, ça fait plaisir. Si comme Stéphanie, vous voulez gagner de l'argent et des bons d'achat chez Cdiscount, n'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux. Il y a tout d'expliquer. Vous likez la page, vous vous abonnez. Vous êtes abonné, vous, autour, j'espère. Ouais. Évidemment. Ouais. Et ouais. Oui, c'est bon, je vous crois. Et c'est fini. Ça y est, non. Le podcast est fini. Déjà, après seulement 2 heures d'enregistrement. Oui. C'est fou. Oui, merci beaucoup de nous avoir suivis. T'as pas, un autre jeu à ce vous voulez que j'invente un autre jeu? Non, je crois que c'est bon, vous avez eu vous avez eu votre dose de jeu. Le jeu de la danse, c'est un truc à faire. Ouais. Vous savez quoi, je vais le rebosser et quand vous allez revenir, on se le refera. Ça peut être sympa. Merci à tout le monde d'être de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, vous abonner, de nous écouter en podcast. Zumba KO. Il y a qu'un seul moyen pour que tout ça continue, c'est soit que vous pas vous m'énervez. C'est qu'on a un vrai animateur qui parle correctement aux gens. Et c'est qu'il faut parler de cette émission autour de vous. Déclassé, saison 1, épisode 5 se termine. À bientôt tout le monde, rendez-vous la semaine prochaine. Bravo Elliot. C'est Cdiscount. Et toi, je sais pas si tu le sais, mais Déclassé, c'est le seul podcast qui te fait gagner des cadeaux. Pour toutes les infos, t'as juste à t'inscrire sur nos réseaux sociaux. Il y a celui-là, celui-ci, ou encore celui-là. Et les gars, on s'est pas inscrit sur MySpace non plus ? Bon, et si tu veux être au courant de nos dernières vidéos, abonne-toi juste ici.